Bonjour à VOT. On est sur TCG Card Shop Simulator Prologue. Le prologue il est gratuit pour ça. C'est bien. Ça fait bizarre son musique. Bah je pense que je vais lancer, il va y avoir une musique, je pense, parce qu'il y a un son de la musique. Donc je lance, je vois, et s'il faut je mettrai une petite musique free copyright de musique de Nintendo. Et bah voilà. Petite bossa nova. Ouais. On est vraiment dans un univers totalement différent de tous les simulateurs, tous les jeux de simulation que j'ai testés quand même. Oh punaise, le mur il est déjà là. Bon, c'est un peu plus décoré que d'habitude. Il y a de l'upgrade. Je vais me promener dehors avant. Pour voir au moins jusqu'où je peux aller. Voilà, ça y est, on a visité tout l'open world. Comment tu fais des messages sans message d'utilisateur anonyme? C'est pas possible, je crois, de faire ça. Ah si! C'est juste que ça affichait pas. Ah oui, ça affichait pas tes émotes pour moi. Ça a lagué. J'ai quitté mon travail quotidien pour ouvrir mon propre magasin de jeux de cartes. Ça y est, il est temps de passer aux choses sérieuses. Waouh, les motifs. Oh, faut que je choisisse le nom. Le mur devant le stop. Ouais, c'est vrai. Mais complètement frozen. Mais l'aspect collect est cool. Bah, on va voir alors. Voilà, qu'un acronyme, que des acronymes. Voilà le business plan. Quoi? C'est pas si tu es jaloux, toi t'as pas ta boutique de TCG. De toute façon, plutôt qu'à critiquer, vous n'avez qu'à le faire, hein. J'arrête tout, je deviens David Lafarge. Écoute, sûrement pas mal de gamins qui se sont dit ça. Confirmez le nom. Je pourrais le changer quand même un jour. Allumez le téléphone et faites le plein de paquets de cartes. Attends, je visite ma super boutique déjà. Quoi? Pourquoi? Non. Oh là là! Comment il a jugé? Ouah, le juge au faciès là, what the fuck? Tu t'es cru sur Tinder ou quoi? Il a juste vu... Franchement, il a juste vu ça, fait. J'aurais pas fait comme ça. En fait. Coucou! Ah ouais! La façon Mijirachi, j'aime bien l'idée. Comment j'allume mon téléphone? Parce que tu me dis pas la touche. Ouvrir l'album. R. Ah ouais, c'est l'album des cartes à collectionner parce qu'il y a plein... Oh, 1272 cartes à collectionner. C'est assez beaucoup. Hein. Tab alors. Ah, tab. C'est bon. Ah, on a un marché des TCG. J'espère qu'il n'y aura pas besoin de vérifier à chaque fois et que ça m'indiquera automatiquement le prix du marché. Ouais, des events, ça c'est cool ça. Format standard. Événement DGN TCG. Coût zéro à la journée? Bah ça va. Le prix du pack de rareté aléatoire et de la carte pourrait augmenter. Le prix du pack de rareté aléatoire et de la carte pourrait diminuer. Quoi? C'est quoi ces prévisions nulles? Demain il fera peut-être beau ou peut-être pas, on sait pas. Bah ok. Standard. Ah, coupe de feu! Pauvre! Ton note pauvre là! Si je confirme l'événement. J'ai toujours pas de carte, attendez! J'ai confirmé un événement, mais j'ai pas de carte! Stock! Oh! Mais c'est tellement cher! Attends, c'est le. Attends, c'est le. Ah, vous voyez pas avec ma grosse tête, je vais me mettre ailleurs. Pas en fait. Je suis plus petite. C'est le prix, ça? Du pack, du booster?
Ah, je vais en acheter pas trop. Oh, 500 balles de cartes, mais si elles sont nulles. Mais c'est immense. Ah, c'est pas du carton. D'accord. Ah bah j'en prends deux. T'as suffi. J'en prends deux. Putain, je crois que c'est le booster. Ah non, il y a 32 boosters dans les 54. Ok, dans les 54 euros. Ok, allez, je vais commander. Acheter. Accessoire. Oh, il y a des peluches. Putain, c'est... J'ai failli fermer le jeu. Musique de fou. Reno Big. Ouh. Tu la sens, ma Big Reno? DIY. Oh! Livraison. Non, attends. Comment je saisis? Ah, comme ça. Ok, je pose. C'est pour faire genre, j'en ai beaucoup. Une strat. Voilà. Nickel. Comment je jette? Fermez la boîte. Non, c'est. Là, c'est. Ok. Ah, ce choix. Pourquoi j'ai plein de points d'exclamation? Dégage. R. Professionnel. Ah. Au secours. J'arrive pas à le jeter. Ok. Prix zéro. Merde. Prix du marché 2,57. Allez, je fais 2,80, ça passe. À 280. Pourquoi je suis en dollars? Moi, je peux pas. New. Laissez entrer les clients en tournant la pancarte. Attendez, je vais jeter ça quand même. Les gens, ils marchent de travers un peu. Ils sont comme dans mon appart. Mon appart, il est de travers. Bonsoir! Salut Gaël! Salut Seb! Salut Lix! Non, il était pas plein, il était juste fermé. T'inquiète, je l'avais refermé. Oh, wow, tout ce qu'ils achètent! Réussir. J'ai beaucoup hésité entre le quel type de monnaie je donnais. Donner. Tiens. Mais prends ! Terminé. Soyez beau. Soyez slibou. Je joue beaucoup à ce jeu ces temps-ci. Mais tout le monde est sur ce jeu ces temps-ci, j'ai l'impression. Ouah, tout ce qu'il m'achète ! Ah, les bips sont trop forts. On peut pas payer en carte ? C'est chiant, ça. 5. 5. Qu'est-ce que je fais? Non, je déconne. Je rends trop de monnaie. Au secours. Ah. Supprimé. Non. Que je vous donne tout, c'est ça? C'est ça que vous voulez? Je veux supprimer. Je fais clic droit, là. Ah, sur la caisse. Ah, ça peut pas être sur la thune. Donner 100. Quoi? Faut que je donne 100 euros? Reçu 40. Total 30. Hein? D'accord.
Ok. Je comprenais pas, fallait vraiment viser le billet. Ok, je comprenais pas. Donc je rends 5, 6, 7, 8, 9. J'ai gagné. 20. Ok. Pff, excusez-moi, je débute. Coucou. Ah, encore des billets. Oh, je rends 0. Si merde. Coucou. C'est bien de venir avec votre sac. C'est bien. 0. Pas assez de monnaie. 0. Ah non, 2. C'est lui au mauvais endroit. Ah, ma petite dame. 1. C'est qu'elle la veut, sa petite monnaie, celle-ci, là. Oh là là. Réussir 5 paiements. Je les ai réussis. Ça a mis 10 ans, mais je les ai réussis. Mais alors je peux pas changer la devise parce que c'est le prologue je pense. Mais normalement on peut changer la devise. Et je peux mettre en euros, je veux mettre en euros mais là je peux pas. Parce que je pense que c'est parce que c'est le prologue. Sinon je dois pouvoir normalement. Mais je teste le prologue parce qu'il est gratuit. Alors moi c'est pas que l'euro je trouve ça stylé, c'est que c'est ma monnaie quoi. Disons que je m'en fous du swag de la monnaie. Tant qu'elle n'est pas à moi, elle est moins swag déjà. Hop là, coucou, ça va? Alors, on va jouer avec ces petites cartes? Alors, on n'a pas de potes? Attends, j'ai rendu trop. Attends. Ah, j'arrive pas à viser. Et voilà. Oula, pourquoi t'as une aura? Ah mais non, mais tu pues. Ah non. Mais faut pas puer. Parce que tu ouvres des cartes que tu dois pas prendre de douche. Du coup, je vais tousser ça avec mes mains. Ah non, non. Non. 25,20. J'espère que j'ai pas fait d'erreur, hein. Oh, t'as les cheveux rouges. Beau du don. J'aime bien la couleur. Ah, merci. J'ai pas assez, j'ai trop tensé. Pourquoi je fais 0 à chaque fois? Attendez, la musique. Je peux taper le montant sur le clavier, je crois. Ah oui, ce serait peut-être mieux, oui. Ah oui, je vais tester. Moi, j'aime les dollars américains, les states. Les states. T'aimes bien les states, toi, t'es trop ricain. J'ai entendu dire la street une fois. Hey, 0, bisous, bisous. Pourquoi je réagis comme ça? Non, mais j'aime bien quand ils font le contron, c'est vachement sympa. J'ai pas de pavé numérique, moi. C'était trop ricain. C'est trop américain. Pardon, je suis tendue, c'est mon premier magasin. Salut Mads Life. La street, la teustrie, la hure. J'ai dû lire lentement. Je vais commander. Niveau du magasin, 2. Hey, je suis niveau 2. Madame, je suis niveau 2. J'ai racheté un booster. Ah, je peux racheter celui-là. Ok, j'en ai commandé un. Ok, bah c'est que j'en ai plus en fait. Alors, qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Je peux acheter du nettoyant. Ah, oh, j'ai acheté aussi. Oh, j'ai du monde, dis donc. Coucou. Eh, un sac pour ça, t'abuses. T'abuses. 1, 2, 3, 4. Merde.
rien. Coucou. Eh, 11,60. C'est chiant. Professionnel. 25,50. 60. Eh, je rends des monnaies un peu aléatoires. C'est mon petit plus à moi. Ah non, pardon. Attends. 8. Merde. Voilà. Ah, c'est mieux au pavier. Au pavé. Au clavier. 8. J'aime trop rendre des 0,5. Je sais pas pourquoi. J'ai eu des... Ils sont où mes colis? J'ai commandé. Ils sont où mes colis? J'ai perdu des sous, c'est que j'ai commandé des trucs. On est d'accord que j'ai commandé? Tu fais péter ces colis, quoi? Non. Ce que j'ai commandé, hein. J'ai acheté direct, j'ai pas eu à passer par le panier, j'ai acheté là. Mais j'ai perdu des sous, donc c'est bien que j'ai reçu des colis quelque part. Ah non, 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 mais sentez pas mauvais chez moi, c'est chiant. Est-ce que je viens péter chez vous, moi? Bah, si vous m'invitez, c'est possible. C'est vrai, ça, en fait. Ah, j'ai débloqué l'article, pas acheté. Ok. D'accord, ajouter au panier. Accessoires, ajouter au panier. Ok. Ah, c'est que ça coûte des sous de débloquer. Ok, ok, c'est bon. Ah, mais ça vient tout de suite. Et puis, complètement à l'arrache, hein. Complètement. Comment j'ouvre? E. R. Un peu ici aussi. Un peu ici aussi. Je veux pas le vendre. Quoique, en vrai. Coucou, c'est qui? Comment je jette? Je peux vendre des déos. Prix du marché 11,83. Je vais mettre... Mettre 20. Oh, je tente une strat. Est-ce que je peux en prendre un, du coup? Allez, tournez vers moi, je vais me vaporiser. Ah voilà. Vous avez vu? Je me transforme en CRS. C'est trop RP ici. Storm. Surfais-moi. Je peux pas jeter. Au secours, je suis coincée. Je vais le vider pour pouvoir le ne plus l'utiliser. Mais je peux pas le virer. Bah R et après. Après R. Qu'est-ce que je fais après R? Au secours, je suis coincée. Oui, je fais R là. Mais ça sert à me spammer une touche en boucle. Voilà, je l'ai fait un peu. Voilà, je fais R. Intéressant, dis donc. Merci hein, pour vos tips vraiment très très précieux. Bah maintenant qu'il est... Maintenant qu'il est... Mais je peux pas le poser en fait. J'ai pu le remettre dans le rayon quoi. Genre c'est nul. Il est vide en plus. Là je vais le jeter. Mais ça veut dire que je suis obligée de le vider à chaque fois. Ou alors de le remettre en rayon pour le vendre. Bref, c'est stupide. Oui. Booster. Non mais 10 balles. Abuse là. C'est bon, je vais vite, je vais vite. Nickel.
Nickel, j'adore quand vous payez un compte rond comme ça. Putain. Je vais être vraiment une boutique nocturne, très nocturne. Je vais me cacher derrière les rayons. Salut Delta Plane, ça va? Pardon, pardon, j'étais concentrée, j'essayais pas, je trouvais pas la touche. Un colis dans la rue? Non, non, il n'y en avait que deux des colis. Hop là! J'aime pas rendre la monnaie, ça me tend. Toujours même jeu qu'à l'arnaque. De quoi, de quoi? Non, je l'ai jamais testé celui-là. Prenez les paquets de cartes sur l'étagère, ouvrez-les. Oh, je peux les ouvrir. Vas-y, on me laisse tranquille alors pendant que j'ouvre. Hein. Prendre celui-là. Hey. Ouvrir dans mon petit coin. C'est mon petit coin. C'est mon petit coin pour ouvrir les boosters. Entrez. Ah non! Tu peux gagner tout? Revenu moins 100. Non, pas cela, c'est des connards. Mais si, j'ai rien gagné! Merci beaucoup pour le raid Vampirella! Demande de collaborer, c'est-à-dire. Merci beaucoup. Ah, qui était sur Catch Up aussi. Incroyable. Tellement de gens sur ce jeu. Ce Nintendo va porter plainte. Mais Nintendo, c'est pas Pokémon. Même si bon, c'est l'éditeur. Coucou, Vampirella. Merci beaucoup pour le raid. Bonsoir, monsieur Deez. Salut Sistoul! Salut Tipixou! Titipixou, pardon. Bah très bien, je découvre le jeu pour le moment. Mais je suis qu'au prologue, hein. Vous, vous y jouez depuis longtemps? Genre depuis plusieurs jours ou vous étiez en découverte aussi? Salut Radiance! Salut King Mike! Level 32. C'est bien du coup, c'est beaucoup. Jour suivant. Non, mais non, j'ai même pas ouvert mes boosters, ils sont dans ma main. Non, j'ouvre mes boosters dans mon petit coin. Comment je fais R. Nanomite. Crée un bouclier pour bloquer 20 dégâts. Oh, mais il attaque. Ah, il attaque à 25. Carte 9 centimes. Bah, je fais un dessin, ça vaut plus cher. Déjà 5 jours. Ah d'accord. Bon, merci beaucoup d'avoir pensé à moi pour le raid, c'est gentil, merci. 31, moins bien que le 33. Ah oui, c'est vrai, ils ont des noms, des numéros. Putain, je suis tellement une gamine, j'ai lu Crobit. Je suis désolée, excusez-moi. Une carte à 11 000 euros. Ça sent bien, hein. Non mais pardon, pardon. De base. Comment ça de base? Il y a écrit de base en bas de la carte. Niblis. Annuler 50% des dégâts de l'élément vent de l'adversaire au prochain tour. Piocher 1. J'ai jamais joué à un TCG. Merci Vampirella pour le follow et merci beaucoup pour le raid, c'est très gentil. Bah si vous... Tu fais quoi d'autre à part Cardshop Simulator? Pour que mes gens sachent, histoire d'aller taper un petit follow pour remercier. Faut pas taper dans la cam que tu vends. Adieu. Ouais, mais Tony Montana, vu comment il a fini, il ferait bien de la fermer celui-là. Putain. Sidon. L'élémentaire inflige 30 de dégâts supplémentaires ce tour-ci. Batrang. Édition argent. Ouh, c'est bien. Valeur 2 euros. L'élément vent inflige 50 de dégâts supplémentaires ce tour-ci. Helio. Il est sorti par la... Comment il est fait à l'arrache celui-là?
Merci pour le follow, monsieur Diz. Merci, merci. Beaucoup de jeux de simulation, gestion, MMO. Quoi comme MMO? Et sinon, simulation, gestion, moi je mets aussi, ouais. On peut jouer au TCG du jeu ou pas? Je sais pas, ça. Est-ce qu'on peut jouer au TCG du jeu? Est-ce qu'on peut jouer au jeu de cartes? Wow, et moi aussi. Gestion IMO. Punaise, et par contre, lui, graphiquement, comment il est fait à l'arrache? C'est vrai que ça fait IA, ça, pour le coup. Mais en même temps, une IA ferait mieux. Au niveau de la gueule du Pokémon, celui-là, il est totalement fait à l'arrache. Regardez un petit peu. Je peux pas vous montrer avec la souris, ça me saoule. Regardez un petit peu au niveau de ces sortes d'ailes, là. Ça fait un truc très bizarre. Il y a des petits traits qui dépassent un peu en trop, comme s'il était mal colorié. Au-dessus, c'est comme s'il était mal découpé. Il est absolument immonde. Tu es horrible. Coquille vide. Coquille vide. Comme moi. Ça body shame. J'y peux rien. Pas encore. Ok. On peut pas encore jouer au TCG. Valeur 8 euros. Porcifeu. Élément feu inflige 30 de dégâts supplémentaires ce tour-ci. Goupi. Détruisez la carte de terrain de l'adversaire 1 avec un élément eau au moins. Ou moins. Élément eau 20 ou moins. Tortivert. L'adversaire ne peut pas évoluer au prochain tour. Ah, mais des évolutions quand même. Lupup. Lupup. Détruisez la carte de terrain 1 de l'adversaire avec l'élément feu 20 au moins. Ou moins. Première édition, je crois qu'il valait cher, hein. C'est la première édition. L'élément vent inflige 50 de dégâts. Je le connais, lui. Flamme. L'élément feu inflige 30 de dégâts. Niblis, je connais. Ah, mais c'est une édition bien. C'est une édition argent, putain, j'ai pas lu. 4 euros 4 dollars. Je suis pas en euros, je suis pas en euros. Attendez, faut que je prenne un paquet. Mais je vais ouvrir avant. J'ai dans mon petit compte. 6 dents, on le connaît. Première édition, donc ça c'est bien. Esmeri. Lipup. 12 centimes, quoi. Oh, mini étoile. Il est argent. Niblis, il est pourri. Oh, il est bien, lui. Il est beau. Oh, gros bip. Annuler 50% des dégâts de l'élément haut de l'adversaire au prochain tour. Piocher 1. Batrang, première édition. Let's go. Vous avez vu, j'ai une multicolore déjà. Vu que ça sert à rien, ils auraient pu faire au moins des blagues dans les descriptions. Mais parce que, en fait, je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de cartes. Donc, ils se sont pas du tout pris la tête à faire des descriptions un peu rigolotes. C'est dommage. Ah, le pipi trop fort. Eh, hey, merci de faire un compte rond, c'est super gentil. Ah, merci de faire la carte, c'est super gentil. 11, 20. Non mais un, ça... Franchement, t'as pas des poches. Et tu fais pas un compte rond en plus. Toi, t'es ban, toi. Bien sûr, aucun effort. Attendez, mes boosters, ils se vendent pas un peu trop bas? 2,80. Franchement, je vais mettre 2,85. Ils se vendent très bien, mes boosters. J'aime bien ta coupe. Ah, le dev veut que ce soit jouable, d'accord. Je vais faire que ce soit jouable et drôle. Ouais, ça aurait été bien, effectivement. 4,30. Oh mon dieu, quoi? Elle a dit quoi? T'as dit quoi? Oh, dis donc! Je vous Théodore, je suis désolée. Toi aussi, tu vas y passer, tiens. Comment
comment je fais? Je peux pas le poser. Ah si, il a fallu. Mais c'est couillon. J'arrive pas à faire ce que je veux. 17, 15. Qu'est-ce que c'est nul comme type de monnaie? Professionnel. Merci. Merci doublement. Pas merci, toi. 15. C'est fermé. Non, c'est ouvert, je déconne. Non, c'est fermé. Ça va, c'est ouvert, je déconne, je déconne. Non, c'est fermé. C'est ouvert, changer d'avis. Bon, en fait, je suis fatigué. Ça va, c'est une blague. Mais bon, faut quand même savoir profiter de la vie. Allez, pour toi, je fais une exception. Merde. Je veux des boosters. Clawap. Oh, torte d'hiver. Oh, c'est nul. Ouais, 24 balles. Waouh. Ok, ok, d'ailleurs, j'ai compris pourquoi ils overreactent tous. Parce que là, en plus, oh, il est dégueulasse, lui, un flamme. Hein. Il est vraiment très, très moche. Merci beaucoup, Vampirella. Mais non, non, je peux pas mettre la monnaie en euros. Je suis sur le prologue. Pardon, je vous ai pas du tout lu. Théodorant dans une boutique de cartes, c'est tellement insultant pour les fans de cartes. Non, faut pas voir ça, enfin, faut pas voir ça comme ça, parce que, en fait, dans un jeu comme ça, ça a très souvent ce principe-là, dans les jeux du genre, et peu importe le type de boutique. Genre, station-service, il y avait ça. Truc de supermarché, je sais pas, j'y ai pas assez joué, c'était, je m'ennuyais beaucoup trop. Mais Pumping Simulator, mince! Pumping Simulator, je me rappelle qu'il y avait un truc comme ça aussi. Achète-le, tu vas adorer. Franchement, je pense pas. Parce que, ayant été caissière dans la vraie vie, bon bah, ça me rappelle... Enfin, voilà, ça va. Franchement, je suis pas sûre d'apprécier. Mais bon, tout le monde kiffe. Donc je teste. Ça va, Kion ? Tu crois vraiment, Kion, que t'es la première personne à m'appeler Loxouille ? Tu crois ? Alors non. Il n'est pas du tout la première personne. Je banne pas pour ça, non. Ça va, petit Kion ? Donc voilà, je sais pas si je vais aimer en vrai le jeu. J'aime bien les boosters, c'est un peu rigolo. Booster. Comment ? Mais ils sont... Ah, c'est là! Ah, table de jeu, il me faut ça! Acheter. Il me faut ça, il me faut une étagère de cartes. Ah, je peux pas! Supermarché, j'aime bien, mais la gestion des stocks m'a fait péter un câble. Bah, moi, ça m'a uber saoulé. Je l'ai acheté, je me suis fait rembourser. Je m'amusais pas, je trouvais ça très chiant. Il y avait très très peu d'évolution en plus dans le jeu, tu faisais juste la même chose en boucle pendant des heures, comme dans un vrai travail de caissière. Et moi, perso, c'est pas ma passion. Là, il y a les boosters, donc ça change un peu. Mais enfin, je pense pas non plus que je vais adorer. Hein. Mon dieu, cet endroit pue. Mais c'est pas moi, c'est les gens, c'est vous qui puez. Hein. C'est vous les puants, là. Comment je prends ? Voilà. Mais je sais pas quand... Je peux pas la jeter par terre. Ça rend ouf. Je peux pas la mettre ici dans mon petit compartiment. Je suis obligée de la remettre au rayon. Mais c'est bizarre. Salut, Scambag. Les combattants à cause du karaté. Ok, Kion. Ok, ça va, ça va. T'énerve pas, Kion. T'énerve pas. Petite table.
Tu peux pas déplacer des objets ? Tu peux déplacer des objets ou pas ? Ah oui, déplacer. Ah, mais je peux pas déplacer la caisse ! Mais quoi ? C'est quoi ce manque de liberté ? Je veux que ma table soit très très chiante. Un peu en biais. Faut pas que ça prenne trop de place. Voilà. Allez. 2,85. J'ai hésité là-haut. Ah, bien joué. Eh, merci de venir jouer sur ma table, c'est trop gentil. Vous voulez un truc à boire ? J'ai du déo. Bonjour. Je fais n'importe quoi. J'ai n'importe quoi. Je sais pas ce qui m'arrive. C'est quoi cette monnaie que j'ai rendue ? Je fais un point d'honneur d'être sympa avec les caissières. Ah bah faut être sympa en général. Ah, ils viennent juger. Même quand elles le sont pas. Je viens de commencer le karaté. Eh ben bravo. Tu connais rien en karaté, j'allais dire un truc du style, un vocabulaire de karatéka, mais j'en ai tellement eu aucun, parce que j'y connais absolument rien. Pas d'art martiaux depuis 10 ans, je suis rouillée de ouf. J'ai failli verser à l'échauffement. Ah mais il faut reprendre peut-être en douceur aussi. C'est peut-être ça le souci. Salut les amandes. Attendez, je vais commander des trucs. Laissez 10 clients jouer à un jeu de cartes. Ok. Bah vas-y, joue. Oh, il n'y a pas d'amis. Je joue pas avec toi, moi. J'ouvre ça. Sorti par la bite, celui-là. Merci, Aurel. P72. Oh, 7,06$. Nocti. Sportiver. Oh, Arbrisseau. Lupip. Jeune Sun. Jeune Sun. Bizarre comme nom. Tyrone. Ah mais oui, mais je viens de penser que c'était Crayon ou quelque chose comme ça. Non, Pokémon. J'ai un Pikachu Shiny côté 9/10, je le savais. Sune. Ah ok. Ça va, petit Booba? Bon bah je vais commander moi. Des factures ? Oh, je vais tout payer. Niveau combien ? Niveau 3. Est-ce que je peux avoir un présentoir de cartes ? Oh, c'est rigolo ça. Oh, j'aime bien les jolies dés comme ça. Je trouve ça cool. J'aime bien. Mais c'est pas là. Voilà. Ça, je peux acheter. Ça, c'est bien. Stock. Figurines. Oh, son chat, les figurines. De toute façon, je peux pas encore. Les trucs de dés, j'aime bien. Je vais en prendre des rouges.
des bleus. Et booster. Oh, j'ai plus de sous du tout. Ah, mais j'ai pas acheté, j'ai juste débloqué. J'ai oublié. Non, mais garde, laisse mes déos, je sais pas où les poser ailleurs. Non, ils sont à 20€, c'est pas pour rien. Bah ouais, mais non. Mais partez. Merde, j'ai fait entrer. Le jeu, il se rit de moi. Ça me fatigue. Ça va, mais c'est qui, hein? Jour suivant. Mais je fais pas de sous, moi. R. Je vais mettre en biais les trucs. Ce sera un peu cool. Confirmer l'événement. Mais non, mais... Je veux prendre ça. Mettre un peu en biais les trucs. Non, ça c'est mon coin à booster. Oh, je vais mettre devant la vitrine. Attends. Confirmer l'événement. Faut que je le fasse à chaque fois, c'est ça? Je peux pas vous mettre devant la vitrine? Mais c'est pas ouf comme ça. En biais alors. Bon bah comme ça, hein. Je vais les mettre devant la vitrine. Arrête de juger toi. Mais... C'est ouvert. Donnez l'illusion qu'il y a plein de choses, c'est important. Comment je mets une carte là? Oh, mais c'est mes cartes à moi. Ah oui, il y a des cartes que j'en fois deux. La sensi, elle est bizarre là sur cet écran, ça fait mal aux yeux. Ah, c'est tout ce que j'ai? Je suis tout pourri. C'est pas possible, c'est pas tout ce que j'ai. Mais j'ai ouvert plein de boosters, j'ai que ça. Quoi, un en plus? C'est bizarre. Ah non, c'est que je passe de 10 pages en 10 pages. J'avais pas compris. Je vais vendre une comme ça. Elle est à combien? 38. Oh là là. Je vais en mettre à 1 quand même. Du connu. Quoi? Oh non, venez pas puer. De quoi? T'as dit quoi? Oh, dis donc, hein. Je suis vraiment obligée de les remettre en rayon, c'est ridicule, je peux pas les poser sur une table prévue à cet effet. C'est trop bizarre, non? Coucou, silence! Ce que j'aime bien, c'est qu'ils restent vraiment à la queue tout le temps. Ils se lassent pas. Ah, 60! Oh! Ah, ça va. Ça va. Je vous rends 2 millions! Parce que je trouve super! Je vais remettre d'autres cartes que j'ai en double. Ah. 27. Je vais mettre 50 centimes. 0,50. J'ai mis un peu cher, mais bon... Je suis un peu déçu.
Si jamais tu veux changer la zik et mettre le SR, je t'en voudrais pas. C'est pas con ça, je vais mettre le son du request. J'avoue que je commence à péter un plomb. En fait non, je vais pas mettre le son du request parce que la piste 6 ça fait un bip immense. Attendez, je me démute, vous allez entendre le bip de la piste 6. Je pense. Donc je peux pas mettre de son de request. Mais je vais mettre du son. J'avoue, je vais couper la zik. Oui, ça grésille de fou, hein. Je l'ai coupé, là, hein. Je le vois sur le truc que là, le son est très très fort. Et ça dépend des jours. Faut que je trouve une petite musique bah de jeu, hein. C'est le plus simple. En général, ça passe bien. Happy vidéo musique. Oh non, mais je voudrais des musiques plus douces. Zelda musique. Des musiques de Pokémon. Petite playlist. Si j'en trouve une. 5 heures de musique de Pokémon relaxante. Relaxante, c'est bien alors. Non, m'énerve déjà celle-là. Ouais, la boucle de 4 secondes. Non, mais t'as raison, t'as raison. Moi, j'ai fini par l'oublier, j'avoue. Oh, merci, il me l'a pris. The. Et en plus, tu l'achètes sans... Oh, merci. Bah, je vais pas te mettre de déo, même si j'aurais dû. Ok, attendez. Je vais vendre mes cartes en double. Je vais mettre 1, 10. Je peux. Ah bah non, mais il faut que ce soit au milieu en vrai. Si, en biais, c'est bien. En biais, c'est très bien. Musique relaxante. Tchididit, 4 secondes. Non, elle m'énerve déjà celle-là. Oui, non, mais je l'ai reconnue. J'ai reconnu la musique. Dablox nous détecte. Qu'est-ce que j'ai fait? Boulanger qui vend ses tradis à 60 centimes minimum, mais les gens donnent ce qu'ils veulent pour leurs baguettes. Ah, ok! Pas en dessous, 60 centimes. Oui, histoire de pas être à perte, quoi. Oh, du don. Trop mignon. En général, ça marche pas si mal, ces trucs-là. Hein. Le fait de laisser aux gens. Bah, ceux qui peuvent vraiment pas, bah, ils sont trop contents. Ceux qui ont vraiment des galères de thunes, bah, ils vont pas mettre beaucoup plus. Mais en vrai, même ceux qui ont des galères de thunes, en général, quand tu laisses aux gens un peu un choix, si c'est dans un petit contexte comme ça, de petite boutique et tout, je crois qu'en général, les gens sont assez généreux. Coucou. Il me semble, en tout cas. 60 euros, nickel. Coucou, c'est qui? Mais du coup, attendez, imaginons, je joue après au vrai jeu. Vu que c'est le prologue, je vais devoir tout recommencer. Non, 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 je déconne. Je vais la récupérer. Non mais fermez l'album, tu fais n'importe quoi l'album. Voilà. Bah je peux pas la vendre. Ah non, c'est parce que c'est pas comme ça que je dois faire. Je dois fermer, je me mets là, là je sélectionne et voilà. Excusez-moi. J'aime bien le principe par contre d'essayer de collectionner les cartes, je trouve ça cool. Alors je vais mettre un... 1,50 au moins. Coucou! Eh, hey, vous aimez bien mon magasin? Bande de geeks. 5,75. Ah. Ouais, mes petites cartes à l'unité, elles se vendent, c'est cool! 18, 20. Pour soutenir le commerçant. Oui, voilà, c'est ça. Mais 100 euros, t'inquiète. Pay what you want, ça marche hyper bien. Oui, c'est ça. Salut, Ostrek, pardon.
Je pense que dans le cas d'une... En tout cas, d'un petit commerce, ça marche très bien. Dans le cadre d'un truc plus balèze, d'une grosse société, là, évidemment, je pense que ça marcherait pas de ouf. Ce qui est logique. La bagasse est surtout un produit d'appel. Bah oui, c'est ça en plus. C'est que c'est très intelligent de faire ça parce que ça fait que les gens vont parler de ça, de sa boulangerie, en disant « Ah, tu devrais aller là-bas si la tradie, elle est pas chère. » Et du coup, les gens viennent, ils vont prendre sûrement leur tradie. Imaginons, ils mettent pas grand-chose, ils mettent 80 centimes au lieu de 60, ce qui est déjà pas mal. Et ben, ils vont sûrement prendre autre chose à côté. C'est trop malin, en fait. J'aime beaucoup ce principe, c'est très intelligent. Pauvre par A plus B que les gens sont pas autant des connards, qu'est-ce que l'on pense? Si on regarde le gouvernement. Bah c'est qu'on, même nous en fait, le problème c'est que les histoires qui nous marquent le plus et celles qu'on partage le plus sont les histoires négatives. Donc on est tous biaisés. C'est... Les choses qui sont partagées le plus sur les réseaux sociaux et tout ça. Et ça c'est un truc aussi qui est étudié en sociologie. Je sais plus comment ça avait... Je sais plus le nom que ça avait. La sensi est encore trop élevée, faut que j'arrête ça. 17-15 ! Mais tu es trop relou ! Oh, il me donne 20 balles pour jouer sur ma table ! Bah merci. Ah mais non, mais c'est parce que c'est un tournoi ! C'est un tournoi. Enfin, un tournoi, un truc de TCG. Alors, qu'est-ce que je fous? Bon, franchement, dès que je peux, j'engage une caissière pour juste collectionner des cartes. Hein. Ou un caissier, disons. Oh là! Eh, hey, faut que je joue des boosters, je suis obligée, je suis désolée. Je suis trop obligée, c'est mon travail. Je suis obligée. Tiens, mon coin à booster. Ouvert. Ah. 0,38, 0,2. Mais en même temps, regardez. Regardez la gueule de cette abomination. Je le déteste, Elio. Il est trop moche. Je devrais même pas le vendre. Ça devrait être la seule carte que je vendrai jamais. Bah non, ça veut dire qu'elle est bien. Smeri. Batrang, 0,5. Oh là là, flamme. Mais flamme aussi. Hein. Clawop. 3,97. Oh, c'est nul. Ah, ça c'est bien ça. Anguffiche. L'élément haut inflige 30 de dégâts supplémentaires. Arbrisseau. Piocher la carte 1. Puis défausser la carte 1. Voilà. Clawop, j'ai déjà. Patron. Non, Tétron. 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 Bah ça c'est Qn, c'est surtout des différences de taxes en général. Je dis pas de bêtises. Tietron. Ouais c'est ça en fait. Bref. Oh là, biseau. Adversaire des fausses cartes 1. Yun Sune. Sune, Sune. Oh nul, elle est trop nul. Guppy. Crobib. Déjà. En Guffish, mais c'est une version que j'avais pas déjà. Ah ça, je vais pouvoir vendre. Ok. Mini-étoile, c'est la carte commune. Ok. Hyper nul. La pince à Tétron. Je connais pas encore le lore des Tétramon, là. Ishikawa, comment qui va? Ah mince, j'ai voulu le taper. Oh
me suis trompée. Il y a 25. Ah d'accord. Attends. Ouf, 25 et 5, c'est vrai, c'est pas comme en euros. Ok. Ah, y'en a une qui a pas de prix. Elle a pas de prix, donc c'est gratuit. Chapeau, chapeau. Dites pas ça à vos caissières. Elles ont juste envie de vous buter. Premier dog. Un sup. Oui, je vais réduire les effets sonores, tu as raison. Ah, ils sont là, les réglages. Oh. Il faut que j'achète un booster. Combien ? J'ai pas beaucoup. J'ai acheté un petit carton, moi. Alors. Non, c'est comment ? Ah, je peux trier l'album. Par prix, par montant. Ah ouais, non, je vais essayer comme ça. Ah, c'est D. D. Qui est cher. J'ai été caissière, j'en ai rien à foutre de dire caissière, j'ai le droit. Hein. Faut arrêter, hein. Et non, pas personnel de caisse, c'est hôtesse de caisse. Jamais chapeau-chapeau tout court à l'oral. Non, mais ce que je veux dire, c'est l'expression faciale de la personne. Quand elle te dit c'est gratuit. Y'a pas de prix, donc c'est gratuit. C'est trop trop chiant. C'est un jus. Ce n'est pas drôle. Et je peux pas jeter les cartes que j'ai en trop. Là, elle vaut combien? Oh, 9 centimes. Mais de 20 centimes. Mon daron fait genre de vouloir dire des trucs à des caissières. J'ai toujours détesté ça. Oui, parce qu'en général, bon... En général, c'est pas la première personne de la journée à faire les mêmes blagues, quoi. Donc effectivement, même si ça part d'une bonne intention... Ça part d'une intention de vouloir sociabiliser avec la caissière, de vouloir montrer que tu la considères comme un être humain. En vrai, ça va. C'est juste que... Il y a des fortes chances, ouais, pour qu'elle ait déjà entendu tout ce qu'il lui dit, quoi. Pas mal de fois, même. Qu'est-ce que je mets, moi? Il me faut des cartes qui se vendent un peu. Mais non, mais j'ai plein de cartes à vendre, je vais les vendre. Genre ça, là. Kyogre. 0,11. Je vais mettre 0,20 aussi. Oh mince, mais je fais entrer à chaque fois, parce que je crois qu'il faut sélectionner avec entrée. C'est encore trop fort, les effets sonores, non? Daron qui te laisse à la caisse pour aller chercher je sais pas quoi. Merde, 18 ans, je peux pas payer moi. Donc tu regardes la caissière. T'attends. Hop là, we're open. Ah mais attends, j'ai mon... Non non mais les jumeaux qui puent là. Non non, c'est bon. Comment je prends? Ça m'énerve de pas comprendre. Hold. Elle est où celui qui pue? C'est transformé en Gunzes. Ah! Ça m'énerve de pas comprendre ça, hein, ça m'agace. Bah ça se vend un petit peu, c'est bien ça. Et puis ça me donne le contron, c'est bien ça. Oui, bah ça vaut le coup, un sac immense. Monnaie. Ah, 50, j'ai pas vu. Ah, j'avais déjà fait un prix pour celle-là. Ah oui, c'est ça qui est bien. Quoi? 10. 0,20 comme d'hab.
J'ai l'air qu'il se transforme en gonzesse. Bah disons que j'ai à peine eu le temps de cligner de l'œil, quoi. Effectivement, effectivement, j'ai pas l'habitude, bon. Faut que je me déconstruise. Mais c'est pas forcément des blagues bateaux. Rien que vouloir être marrant, la flemme. Genre, je suis poli, basta. Ouais, mais parce que toi, tu... T'aimes pas parler. Les emmerder dans leur travail, ça dépend si tu veux faire perdre du temps ou pas. Si c'est une petite blagounette comme ça en passant... Bon... Bon, ça va, ça va, ça va, ça va. Mais je comprends aussi la flemme d'eux, tu vois. Ça, je le comprends tout à fait. Ok, faut que je vende des cartes toujours. J'aime bien vendre des cartes, ça m'amuse un peu. Hop là, terminé, bim. Donc ça se vend même quand je les vends le double du prix du marché, c'est cool. Cool, c'est cool. Mais encore une fois, si je continue le vrai jeu... Je vais être emmerdée parce que ça va pas garder ma sauvegarde, c'est sûr. Donc je fais tout ça pour rien. Donc je vais pas continuer avec le vrai jeu. Flamme, il a la flemme. 40. Elle a perdu. Pas de... Vous devez partir, madame. J'aime pas les blouseuses. Ah. Je veux bien des puants, mais pas des blouseuses. Faut pas déconner quand même. J'ai un standing, moi. T'achètes pas, toi. Pourquoi? Ah, c'est vrai, j'ai un carton, là. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois la démo? Ouais. Joue au prologue. J'ai pas le vrai jeu. Tu peux small talk à l'infini. S'il y a besoin. Oui, bah c'est ça, tu peux small talk, oui, complètement, s'il y a besoin. J'ai pas ça de base. Franchement, des fois, t'as un feeling avec la personne. Un petit mi-temps à mûrir dans le 93. Mi-temps armurier. Pourquoi j'ai personne? Je peux tirer son paiement. Ça va, j'en ai reçu plein. Ça va, je connais un. Ça va, hein, je suis pas un bébé. Hein. Est-ce que le prix du marché, il évolue? Parfois, peut-être. Hein, faudrait que je fasse gaffe à mes prix. Je vais mettre ça ailleurs. En fait, ça m'agace. Je vais mettre ça dans mon coin. Non, mais c'est mon coin. Je vais mettre ça là. Voilà. Parce que là, comme ça, il y a toujours mon coin pour ouvrir mes boosters. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Voilà. Oh, première édition. Trop bien. Oh, première édition qui brille comme l'autre. Oh, dis donc. Ah, lui, je l'avais déjà en argenté, comme ça. Coco. Je suis sûr qu'il vient d'acheter tes boosters. Mufflin. Vous, c'est qui? C'est Dio, ça est Dio. Pardon, j'ai un message. Mais je l'ai pas, Royal. Oh, Lupup. Nimblis. Betrang. Eh, hey, franchement. Oh, réversion or. J'ai des trop bien. Oh, je suis contente, là. Mais en même temps, j'ai pas... Attends, annulé. Faut que je montre un truc. Voilà. Faut que je montre ça parce qu'il y a encore des gens qui me croient pas quand je dis que dans la version prologue, qui est la version à laquelle je joue,
Il n'y a pas, parce que je reçois des MP, il n'y a pas moyen de changer la devise. Est-ce que c'est bon? Est-ce que le message est passé? Voilà. Donc non, je ne peux pas, parce que c'est la version prologue. Hop là. C'est pas même dev que Super Mario Simulator? Je crois pas. Mais de base, oui, tous ces jeux se copient énormément. Parce que même Super Mario Simulator, j'ai complètement vu des trucs que j'avais déjà vu dans d'autres simulateurs comme ça. Des assets que j'avais déjà vus. Oui, c'est vrai, le booster qui gagne en fait. C'est vrai. Tant que ça sur le stream. Oh, wow! Il vaut ma boutique! Il vaut toute ma boutique, celui-là! Coucou! Punaise! Il est beau en plus! Coucou, c'est qui? C'est Slime Therapy, salut! Message d'il y a une heure. Ah, pardon. Pardon. Punaise! Pas mal, celui-là! Pas mal! Ils font la queue n'importe comment. Vous faites la queue n'importe comment, hein. N'importe quoi. Vous n'avez aucune connaissance en queue, hein. Il y a autre chose, c'est... Qu'est-ce que je fais, moi? Donner... Mais... Putain, à chaque fois, je confonds les centimes et les scènes. 45. Qu'est-ce que c'est? Attendez, je reçois des trucs. Non mais... T'as reçu un truc? Bah oui. Mais... C'était pas pour... Mais non. Arrêtez! Tu es trop mignon! 10 fois son prix, celui-ci. Terrible, mais oui, mais du coup, j'ai reçu même 2 notifs. Mais... Oh non, la streameuse. Par contre, je vais devoir recommencer la partie si je joue au vrai jeu ou pas. Excusez-moi, je suis gênée. Mais non, mais je vais garder... Quoi? J'entends des hurlements, là. C'est pas grave, j'entends gémir au loin. Ok. Bah merci, mais... C'est marqué que la save du prologue s'importe pas. Ah ok. Ok, mais je vais tester, mais je suis pas sûre de rejouer, enfin je sais pas. Faut que je teste. Ok, attendez, je vais sauvegarder. On peut pas. Ah oui, d'accord, oui, en fait c'est pour ça, c'est qu'on peut pas... Ah, ça sauvegarde à la fin de la journée, je crois. Combien de jeux? Je sais même pas. Coûte 12 balles. J'en ai qui offrent des jeux pour torturer la streameuse. Bon, on est qu'au début. Ouais, c'est vrai, c'est pour ça que je me dis, je vais voir. Ça peut être marrant de continuer le jeu, j'avoue, j'étais dubitative. Faut que j'arrête la VOD par contre si je coupe le truc. Du coup, je coupe la VOD, des bisous. Ou alors je refais une... Peut-être refaire une VOD en vrai. Pour la vraie partie. J'hésite, on va voir. Des bisous.